Messi. Toujours la qualité des prises de balle de Lionel Messi qui peut s'appuyer sur Banega. Banega, Messi, et le cinquième but en faveur de l'Albi Céleste. Il n'aura fallu que quelques petites secondes à Léo Messi pour se signaler. Et bien voici le 43e but en sélection pour le génie argentin. Évidemment que c'est un match où c'est plié, tout est acquis, et différence des niveaux, mais on peut avoir que des regrets. Parce que, je disais, le football, ça se joue d'une façon, et il y a des joueurs qui sont faits pour s'entendre. Et la preuve, ces deux hommes-là, Messi, regardez comment Banega, il s'est mis d'abord entre les lignes. C'est lui qui joue le rôle d'avant-centre pour ce que je dis tout le temps de Messi. Il faut le favoriser, il faut lui ouvrir l'espace, parce qu'il finit, lui, mais au départ, il est dans la salle d'attente pour trouver le 1-2 avec un Banega. Des joueurs que ils peuvent que se comprendre, ils sentent le même football. Et là il va ouvrir vers Léo Messi. Le bon contrôle de Messi dans la surface de réparation face à Agbo. Messi qui cherche à se remettre sur son pied gauche. Messi, le doublé également pour Lionel Messi. C'est 43 et 44e but inscrit en sélection. On sait, on l'a déjà vu des tonnes de fois, hein, que dès qu'il est positionné dans cette zone-là, il va venir dans une espèce de dribble assez latéral, parce qu'il n'élimine pas un adversaire, mais en même temps, il ne laisse aucune intervention aux possibilités dès que ses défenseurs puissent le faire. Ils savent, tout le monde, ils sont convaincus qu'il va revenir latéralement. Mais cette cadence de toucher, cette espèce de vitesse un peu supersonique dans sa conduite, et après, il arrive à frapper, et souvent les balles, ils passent entre les jambes des adversaires. Tout le temps, je crois qu'il le fait exprès, parce que justement, il s'est mis à la contre des têtes. Ils savent, ils y vont, hein, ils avancent pour essayer de le neutraliser, mais il va plus vite, il est plus dans le contrôle.